Hallucination. De musiciens. Okay. Miasma. Voici le quoi et n'importe quoi, et quoi d'importance dans ce quoi
le qui participe du croire, le monde, le Dieu, la substance hypokaimenon et disposition de la substance comme sujet. Mieux encore, devenir simple prédicat, un verbe sans substance, en devenir. C'est ça qui visait la logique du sens de Gilles Deleuze. La théorie des incorporels chez les stoïciens. Et voilà. Émile Brayer, avais-tu compris? Et Deleuze a su à exploiter la selle de cette théorie. Non substance, mais ontologie et les verbes, acte, chemin, mouvement, devenir, posture, relationnalité, modalité, mode. Il n'y a pas de secret, tout est secret. Comme une petite artiste qui travaille dans la profondeur de notre imagination. C'est ça, je loue l'hypothèse de l'ego transcendantal qui libère l'individu, la personne vivante, et fait une prodigieuse théorie de procédé empirico-technique de réalisation des actes, postures, gestures. C'est ça la mort, c'est ça éthica des affects. Et petite interrogation de les moines érudits et l'acceptation et la profanation, c'est encore pire, des lieux sacrés, c'est-à-dire nature en tant qu'être. J'ai continué à la lecture du texte, j'avais arrêté, de Ahmet Özgün Tatar sur le titre de Quoi et n'importe quoi, quoi d'importance. Quoi se distingue d'une chose, de quelque chose, dans son ambiguïté? Et il est une chose comme une possibilité de pouvoir être distingué et d'être délimité comme une chose déterminée, et à la fois, il n'est pas une chose comme si c'était quelque chose avant la chose même, son originalité ou sa condition de possibilité, ouais, à la destruction de l'identité d'une chose. Quoi? Ce que j'appelle quoi, c'est une chose qu'on ne peut pas ontologiser. Vous savez, dans la grammaire, c'est le pronom soit personnel, soit démonstratif, soit lié à une personne, soit lié à un lieu, à un temps, à un événement. Quoi? C'est un concept parfaitement indéterminé et non définitif. Avoir de l'être. Finalement, c'est une décision métaphysique qui est la condition de la possibilité d'une ontologie mondaine
mais seulement mondaine. C'est un choix d'avoir un être et de pouvoir être ontologisé et tomber sous le registre de la métaphysique. D'où son ambiguïté. Dans son ambiguïté, le quoi ou la destruction de toute identité d'une chose, de quelque chose, puisque l'être est imposé par un geste métaphysique historial sur le quoi et en détruisant toute l'ambiguïté que Aristote avait prononcé une fois pour dépasser, c'est-à-dire l'être se dit de plusieurs façons, manières. C'est ça dont il s'agit. Manière de schématisme de l'imagination. Et c'est comme une fête ou commémoration ou un sacrifice, un rituel, un holocauste, un brûlage et de la cendre comme non-lieu à ta pose de la perception transcendantale. Thank you.
Thank you.